adresser mes remerciements à M. Jean Leonetti, maire d'Antibes, Juan-les-Pins, à M. Gérald Lacoste, conseiller municipal délégué aux associations patriotiques et au devoir de mémoire, à M. Hassan El Chazouli, conseiller municipal délégué à la transmission de la mémoire, mesdames et messieurs les élus de la République, M. Éric Poget, député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, mesdames et messieurs les responsables d'associations, M. Vreja Prahamian, président de l'Association nationale des combattants arméniens et sympathisants, M. Jean Razarossian, président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, M. Christian Gampetri, président de la Maison du combattant, l'UFAC et les associations patriotiques, mesdames et messieurs, les anciens combattants ainsi que les responsables des corps constitués, sécurité civile et militaire, mesdames et messieurs, les porte-drapeaux, il fallait que je vous remercie point par point, chacun d'entre vous, par rapport à cette inauguration qu'on va célébrer ensemble aujourd'hui. Mesdames et messieurs aussi, les membres du gouvernement et du Parlement de l'Arménie occidentale. Alors effectivement, comme tous les ans, nous sommes réunis pour pouvoir nous rappeler les victimes du génocide des Arméniens. Génocide qui a eu lieu de 1894 à 1923 de la part des gouvernements successifs turcs d'occupation. Pour appliquer un plan d'extermination contre les Arméniens d'Arménie occidentale, autochtones, qui a fait 2 millions de morts et détruit une civilisation qui date de plusieurs milliers d'années sur leur territoire ancestral. Et pourtant aujourd'hui, même nous sommes ensemble également pour condamner les actes de barbarie qui ont lieu devant nous en Artsakh par l'étouffement progressif, graduel, de 130 000 Arméniens suite au blocus depuis le 12 décembre 2022 perpétré par l'Azerbaïdjan. Ce qui signifie qu'un génocide qui n'est pas réparé se perpétue par le temps. Je souhaiterais également vous lire un message vidéo pour vous montrer la réalité de ce que j'explique. Je voudrais dire aussi, monsieur le député, que je sais combien la cause arménienne est au cœur de vos préoccupations. Et je sais que, comme je l'ai fait par le passé, si c'était à refaire, vous revoteriez à l'Assemblée nationale la mission que nous sommes tous attribués en France, c'est de ne jamais oublier le massacre par l'Empire ottoman et ses successeurs des Arméniens. Monsieur le Président du Conseil national d'Arménie occidentale, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental représentant le Président Ginesi, qui je le sais est acquis comme vous à cette cause, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Association nationale des anciens combattants arméniens et sympathisants, Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, Mesdames, Messieurs les représentants de forces de l'ordre et des corps constitués, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et porte-drapeaux, et surtout, chers amis, merci d'être là, fidèles et loyaux à notre mémoire et à la tradition de la France. En cette journée nationale, effectivement, de commémoration du génocide arménien, c'est un honneur pour la ville d'Antibes Juan-les-Pins d'inaugurer une stèle en présence de Monsieur Abrahamian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale et des associations arméniennes d'anciens combattants. Je sais combien cette journée du 24 avril est chargée en événements douloureux et je vous remercie de votre présence. Je remercie bien sûr le colonel Lacoste qui s'est investi, comme chaque fois, sans relâche, sur l'honneur et la mémoire à vos côtés pour que cette stèle soit érigée en ce lieu de mémoire et de recueillement. La France a reconnu le 29 janvier 2001 l'existence du génocide des Arméniens, mais une loi à elle seule ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'un devoir de transmission de mémoire envers les jeunes générations et la détermination à ce que ces phénomènes ne se reproduisent jamais. Cette stèle est là pour nous y inciter. Elle est là pour nous dire que nous n'oublierons jamais qu'en avril 1915 à juillet 1916, 1,5 million d'Arméniens ont été torturés, exterminés, et que des déportations massives ont transformé les routes d'Anatolie en routes de la mort. Un peuple à la culture millénaire a subi des tentatives d'anéantissement méthodiques et organisées, jamais avouées et toujours reniées par le gouvernement turc actuel. Car il incarnait une minorité ethnique. Il incarnait une civilisation, il incarnait une religion. Et donc, comme cela était différent de l'Empire ottoman,
Ils étaient donc coupables, ils devaient donc périr. Désormais, ce stèle nous rappelle que nous devons combattre toujours, sans relâche, sur toutes les formes d'oubli, d'indifférence ou de négation qui seraient une nouvelle tentative d'anéantissement. Nous devons rejeter toute tentative de négation des crimes commis et d'en camoufler les traces sous de faux prétextes. Quand je pense aujourd'hui, permettez-moi cet écart de langage diplomatique que la France a envisagé à un moment que la Turquie puisse faire partie de l'Europe après le crime qu'elle n'a jamais avoué, cela me paraît totalement aberrant. N'oublions pas que le peuple arménien est aujourd'hui encore persécuté. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans le Haut-Karabakh, ne laissons pas l'histoire se répéter dans ce qu'elle a de plus tragique et de plus inhumain. Et là, ça n'est pas seulement la responsabilité de la France qui est en cause, c'est la responsabilité de l'Union européenne qui doit combattre toutes les invasions et toutes les tentatives de génocide sur le territoire proche de l'Europe. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi aujourd'hui d'ériger cette stèle à côté du monument des martyrs de la résistance et de la déportation. Nombre de rescapés du génocide commis contre les Arméniens se sont engagés dans la résistance. Ils se sont illustrés dans la Seconde Guerre mondiale pour lutter cette fois encore contre la barbarie exterminatrice et dévastatrice nazie. Nombre de nos compatriotes d'origine arménienne ont participé à la libération et à la reconstruction de la France. L'Arménie, c'est la France. Ils ont mêlé à jamais par leur combat les mémoires de la France et de l'Arménie. L'un de ces héros, Missak Manoukian, écrivait le 21 février 1944 à sa compagne « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » C'est ce que nous nous apprêtons à faire tous ensemble aujourd'hui dans un geste symbolique que nous allons accomplir en dévoilant cette stèle. Vive la France, vive l'Arménie libre !